7 décembre 2014 avec Jonathan Wizard. Je suis en direction de Lévis, direction Lévis, Québec, pour ceux qui connaissent un peu moins sur l'autoroute Jean Lesage. Faut être prudent parce que ce matin, là, présentement, il est 8h40, je suis parti à 7h30. J'ai braté, c'est pour ça qu'il a déjà rendu 7h-là. Et il y a eu quelques capotages sur l'autoroute, c'est le deuxième barrage que je croise. Là, il y a un deuxième barrage où je vais croiser, où il y a eu un accident, je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, faut être prudent. Soyez prudent sur les routes. Alors, comme vous pouvez voir, encore une ambulance qui passe. Sur un call, encore, faut être très prudent. Soyez prudent. Alors, je vais me préparer à arrêter à la halte routière juste avant les ponts de Québec. C'est une petite halte routière qui se trouve sur la droite quand on se dirige en direction de Québec. Et puis, j'arrête toujours là, à chaque fois. Alors, c'est une belle place, c'est propre. Alors, j'y vais. Alors, petite pause à la halte routière avant les ponts de Québec. C'est marqué halte routière 24 heures. Bon. Petite collation. On va faire nos carottes, Tim Hortons. Et là, je m'en vais en direction de Lévis. Mes lunettes sont croches. En direction de Lévis, aller offrir un spectacle pour des personnes âgées dans une résidence. On y va! Bonjour tout le monde, je suis rendu à Lévis. Et je vais faire une petite prise de la ville du Vieux-Québec. Ben, l'autre bord du fleuve, bien sûr. Alors, pour ceux qui connaissent le coin, là, cet endroit-là, c'est l'Anglicane. C'est ici qu'ils font des présentations de spectacles. Je suis déjà venu voir un spectacle ici. Alors, ici, l'Anglicane. Alors, comme vous pouvez voir, je suis l'autre côté du fleuve, où le traversier. Il y a un traversier qui s'apprête à décoller, justement, pour traverser le fleuve. Et l'autre bord, ce qu'on voit, c'est Québec. Alors... le château Frontenac, juste ici sur le bout de mon doigt. Bien sûr, j'ai passé plus de temps de l'autre côté que de ce côté-ci. Alors, je suis à côté présentement d'une école secondaire, Marcel Mallette. Alors, je suis ici. À chaque fois que je viens à Lévis, ben, je m'arrête ici pour regarder le fleuve. C'est un bel endroit. Il y a beaucoup de bruit, par exemple, aujourd'hui. Alors, on voit le traversier qui s'apprête à traverser le fleuve. Alors, c'est ça. Je suis vraiment à Lévis. Messieurs, tout droit de Lévis, la météo est favorable. Il y a de la petite neige qui tombe du ciel. Et je suis à Lévis, l'autre côté de Québec. Woo! On s'en va faire une animation. L'animation d'aujourd'hui se passe à la seigneurie de Lévis, à Lévis. Dans la résidence de la seigneurie Lévis, à Lévis, et j'ai préparé mon setup. Alors c'est facile, quand je fais des spectacles pour les résidences de personnes âgées, c'est guitare, une caisse de son et tout simplement mes cartables pour chanter. Alors je vais faire un petit tour rapide du propriétaire. Ça
fait plus de 2 ans que je suis pas venu à cette résidence-là. Alors aujourd'hui, c'est très très simple. Je fais pas nécessairement beaucoup d'animation, c'est plus un tour de chant. Je m'assois avec ma guitare, chansonnier, et je chante mes chansons de Noël et les chansons ben, traditionnelles que je fais pendant l'année. Et puis ça va durer pendant 1h30. C'est un dîner, alors je m'énerve pas trop, je suis tranquille. Fait que on fait ça relax. Je vais tenter de prendre une prise du public à un moment donné, mais c'est plus difficile pour moi de filmer pendant que je chante. Alors je prendrai quand même une prise, j'essaierai quelque chose. OK. C'est la valse de Noël qui tourne, tourne toujours. Jolie valse de Noël, il nous chante les beaux jours. Le sapin illuminé jusqu'à l'aurore jette son parfum si doux. Noël, les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux joujoux. Noël, la neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous. Noël, et les carillons joyeux résonnent tous en cœur. Noël. Elle faisait du vélo stationnaire encore 5 km par jour. Alors je pense qu'on lui doit une bonne main d'applaudissement. C'est merveilleux, hein? C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Elle est, elle est tellement jolie. Bonjour Nicole, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, quel était ton invité aujourd'hui à la résidence? Monsieur Jonathan Wizard. Alors, Jonathan Wizard, est-ce que tu le recommandes pour d'autres animations dans d'autres résidences? Certainement, je le recommande à toutes les résidences. Essayez-le au moins une fois, vous allez l'adopter. Oui, qu'est-ce qu'il fait de spécial pour vouloir l'adopter? Jonathan, au départ, il a un très beau sourire, il sait comment faire l'accueil aux gens, il a la musique appropriée à tous les genres de personnes, plus vieux ou moins vieux, comme vous voulez. Il va tout vous donner ce que vous avez besoin. Il est à l'écoute de tout le monde. Wow! Je vous le recommande fortement. Nicole, je suis content. C'est très gentil. Attends, as-tu parti ou je l'ai arrêté? Non, je l'ai parti. C'est bon. Ben merci, on va recommencer prise 2. Ben merci beaucoup, Nicole, de m'avoir fait confiance encore une fois à la résidence de Lévis. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas revenir nous voir. Ben oui, c'est bon. Merci. Merci. Salut tout le monde. Bye. 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 Ah! Terminé! Enfin, j'ai fini mon animation à la résidence de personnes âgées aujourd'hui à Lévis. Ça s'est bien passé, il y avait de belles animations, c'était un dîner. Ça a duré 1h30 d'animation, mais c'était quand même relax. J'ai chanté mes chansons de Noël et les chansons traditionnelles que je chante au courant de l'année. Alors, bien sûr, des chansons pour les résidents de troisième âge. Ça s'est bien passé, j'ai adoré ça. J'aime ça faire des animations pour les personnes âgées, ça me détend ça. C'est différent des spectacles pour enfants. Alors, vous étiez avec Jonathan Wizard, fantaisiste! Si vous désirez voir plus de vidéos de Jonathan Wizard, rendez-vous sur YouTube et tapez mon nom, Jonathan Wizard. Merci beaucoup! Je vous souhaite un bon vendredi et à bientôt! Salut! Salut! Salut!